de cet astre. Qui? Je crois que j'en oublie un. Les professeurs Kamba et Boacha. Connaissance et du mérite dû à notre métier. Que l'on rappelle aux artistes que c'est possible de réussir au nez et toujours éclairant. Pour nouvelles, vous répondiez, je vais bien comme un poisson dans l'eau. Maintenant que vous êtes affranchi du temps, du nombre et de l'espace, soyez accueillis dans les ciels étoilés où tout rentre et s'efface dans les repos que la vie a parfois troublés. Et parce que la mort n'est qu'un déplacement, comme le souffle des ancêtres qui ne sont jamais partis, vous continuerez à inspirer plus d'une génération d'artistes à qui vous avez légué votre savoir-faire par votre travail et votre amour pour la vie. L'Académie des Beaux-Arts vous remercie infiniment. Au revoir l'artiste. Au revoir professeur émérite. Au revoir maître Lio. Je vous remercie. Du Conseil économique et social, de peur, en commençant par Son Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'ISC, après ses autorités, et après nous aurons le département de la sculpture, la CAP, l'AICA, les comités étudiants.
See you.
à Cap Haïka, si on peut le faire rapidement. De l'Académie des Beaux-Arts. C'est quelqu'un d'abord qui a valorisé les artistes, puisque à travers ses œuvres, compte tenu du fait que c'est un artiste de renommée internationale et d'ailleurs l'unique artiste africain qui a été reçu par l'empereur du Japon et dont certaines œuvres sont même exposées dans certains milieux au Japon. Et je pense que c'était tout à fait normal de venir l'honorer. Et aussi, c'est pour montrer que les artistes aussi peuvent arriver à des niveaux très élevés. Les artistes ne sont pas seulement des gens qui font des sculptures ou de la peinture sans avoir une certaine élévation, mais ce sont des gens qui peuvent contribuer. Et je crois qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que lui pour représenter notre pays sur l'échiquier international. C'est ainsi que je suis venu l'honorer avec d'autres directeurs généraux des établissements techniques, artistiques et naturellement, puisqu'il était professeur émérite, il a formé beaucoup d'artistes. Et si vous avez suivi l'oraison funèbre qui a été lue par mon collègue, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, vous pouvez constater qu'il a formé beaucoup d'artistes. Donc de ce côté-là, nous n'avons pas de crainte. Je venais de sortir des cours, c'était vers 14h30, 15h, et j'allume mon cellulaire et je vois la note de Myoto Liolo, la fille de Maître Liolo, qui m'a envoyé un message, un texto, disant que papa est parti. Et ce message, elle me l'avait envoyé à 9h30 du matin. Donc Maître Alfred Liolo Limbempoanga est décédé le matin du 1er avril, aux environs de 9h du matin. J'étais naturellement sous le choc, vu le fait que c'est mon oncle. J'ai grandi ensemble avec les enfants. Nos parents se connaissaient d'avant. Ma mère est autrichienne, donc ils se connaissaient depuis l'Autriche. Et
j'ai pratiquement grandi à Mongafu, là, un lieu magique. Et voilà, donc j'étais sidéré et meurtri et attristé. Et le Congo, la République démocratique du Congo, sur la carte globale, non seulement de l'art congolais, mais de l'art africain et l'art contemporain, moderne en général. Et nous avons à être fiers d'avoir un tel fils qui représente le Congo et le pays, notre pays, d'une telle manière. Fils de Bolobo, né à Bolobo et ayant atteint des cieux impossibles, hein, étant reçu par l'empereur du Japon, c'est quelque chose, c'est un rêve devenu réalité. Et ça, c'est Maître Liolo. Maître Liolo tournait les rêves en réalité, les idées en réalité. Et je ne peux qu'encourager tous les jeunes artistes, hommes et femmes, surtout les femmes aussi. Nous sommes dans le 21e siècle et c'est le moment que les femmes prennent la relève et les femmes surtout doivent aller de l'avant. Les femmes sculpteuses, les femmes artistes, les femmes peintres et de toutes les catégories dans tous les domaines. C'est ce que Maître Liolo me disait quand j'allais le voir à l'hôpital en Autriche. Il me disait: Patrick, l'avenir du Congo est entre les mains des jeunes et surtout les mains des femmes. Donc allez de l'avant, femmes congolaises, n'ayez pas peur, prenez votre place dans l'amphithéâtre de l'histoire. Nous avons compris et fait comprendre à nos collègues que l'artiste sculpteur, l'artiste écrivain, l'artiste photographe, l'artiste comédien n'avait rien à envier à l'artiste de détente parce que il était celui qui, en plus de la détente, créait la réflexion, et que l'artiste n'avait rien à envier à une autorité politique parce que, comme Mikanza, beaucoup de personnalités font des erreurs à prendre des artistes pour de simples amuseurs publics. L'artiste n'est pas un amuseur public, c'est un éducateur. Et avec Liolo, nous avons ainsi créé le Conseil national de la culture, qui est une plateforme des patrons de la culture, homologue de la FEC, pour que le ministère de la culture ne prenne aucune option importante sans notre avis. Nous n'avons jamais accepté qu'on puisse trafiquer l'œuvre culturelle congolaise sans l'avis des artistes. Beaucoup d'œuvres ont voyagé, ne sont pas rentrées, parce que au ministère de la Culture, on décide sur le dos des artistes, au point qu'on place parfois des Congolais à qui on veut donner du travail. Liolo et moi n'avons jamais été d'accord que ce ministère soit un ministère complémentaire. Lorsqu'on n'a pas où caser quelqu'un, on dit bon, mettez-les même à la culture. Nous n'étions pas d'accord. Et nous disons aujourd'hui qu'il est parti, physiquement, mais spirituellement, moralement, il est parmi nous, parce que l'artiste ne meurt pas. Nous voudrions que la presse, la radio, la télévision, le ministère de l'Éducation, de l'Information, puissent enseigner les artistes en général, et Liolo en particulier, qu'on puisse visiter l'Académie des Beaux-Arts, qu'on puisse visiter le palais Liolo à Mongafula, parce que ce palais restera immortel tant que le Congo existera. On avait tenté de le piller, mais on n'a pas réussi. Avec la mort physique de Liolo, nous célébrons un changement de milieu d'un grand artiste. Nous présentons nos condoléances à son épouse, à ses enfants et à tous les Banounous qui viennent de perdre un grand leader culturel. Que les Banounous Bobangé sachent qu'avec Liolo, ils ont perdu un grand personnage qui faisait la fierté de cette communauté congolaise. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment? Moi, c'est Danny Moulama. Ah, Danny, tu es étudiant ici? Ouais, je suis étudiant en G3 communication visuelle. Ah, qui était Liolo? Liolo, pour nous, c'était un ancien DG. Il était ici en 2018. Et puis, quels sont les souvenirs que tu gardes de M. Liolo? Ce que je garde de M. Liolo, c'est sa rigidité. Le fait de vouloir bien faire les choses et le fait qu'il était déterminé avec son art. Pour nous, il reste un exemple du fait que
Il nous a montré qu'avec l'art, on peut aussi réussir la vie. Merci. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. J'allais vous demander juste à propos de monsieur Liolo. Qui il était pour vous? Bon, Liolo, c'est vraiment une grande personnalité pour moi, premièrement. L'artiste qui a fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, qui nous laisse comme les exemples dans notre pays et dans tout le monde. C'est vraiment une très grande personnalité pour moi. Vous avez de bons souvenirs à propos de ce monsieur? Oui, par rapport à ça, je peux dire qu'il a vraiment des œuvres qu'il a créées et ça a épaté vraiment beaucoup de gens dans le monde et surtout dans notre pays aussi. Ok, merci.